Mes petits amis viennent de me prévenir de votre arrivée. Soyez les bienvenus au château Tindelberg. Cette bâtisse merveilleuse fut construite au XVIIe siècle pour accueillir des hôtes un peu particuliers. C'est en quelque sorte un asile, un lieu protégé pour les êtres différents, un endroit reculé dans les limbes de l'oubli. C'est ici que viennent s'échouer les naufragés de la mort. Les oubliés du repos, les condamnés à l'errance sans fin, les horribles de la nuit et les bannis du jour. C'est un château hanté ! C'est non, un château hanté ? Non, mon bon ami, je ne dirais pas hanté, mais simplement habité de personnes un peu étranges. Mais, chers visiteurs, pour vous permettre de mieux comprendre notre monde, nous assurons, comme aujourd'hui, quelques visites afin que vous vous rendiez compte que vos idées et vos peurs ne sont pas toujours fondées. Mais une chose est certaine et immuable, c'est qu'ici, le temps est suspendu. Les minutes ne sont que poussière et les mois des... Les mois des gouttes de sang perdues dans le grand cadran de vos saisons. Les jours n'existent plus et les nuits s'étirent à n'en plus finir. Le grand sablier du temps s'est brisé. Le temps est fou et s'en va en arrière. Et corne de bouc, la pendule de la baraque ne fait même plus tic-tac. Et le passé de la présent, c'est le moment d'y revenir.
Je sais que vous les êtres vivants, vous avez une façon particulière de vous imaginer les monstres et éternels que nous sommes. Oh, je ne vous juge pas. Vous êtes bercé par une littérature mensongère depuis plus d'un siècle. Et si je le pouvais encore, je ferais un arrêt cardiaque en regardant les fadaises de films que vous crache le cinématographe. On transforme la vérité, on fait de notre mort une parodie. Vivant, vous avez une image altérée de notre réalité. Bien souvent, vous inventez, vous transformez, vous interprétez. Oui, mais ils ont quand même des sacrés bons films, je trouve. Tiens, en voilà une petite sélection à vous filer les foies. Poltergeist, Paranormal Activity, Sinister 2, Jezabel, Tommy, Les âmes silencieuses, et bien sûr, Halloween. Halloween ! Qu'est-ce que c'est que cette fête ridicule qui consiste à demander des bonbons à ses voisins déguisés en monstres ? Quand je dis déguisé, je me comprends ? Pensez-vous qu'il suffise de porter un masque en latex et de pousser d'étranges hurlements pour imiter un monstre ? Les monstres, les vrais, ce sont les centaures de nos forêts, ce sont les harpies filles d'un dieu marin. Ce sont les dragons de nos basses fosses. Voilà ce que sont les monstres. Le monstre. Le monstrare. Le vrai. C'est le yéti. C'est l'hydre. C'est la femme au corps de serpent. Certainement pas cette fête ridicule d'Halloween. Vous savez, le jour où les monstres descendront dans la rue, ce ne sera pas pour quémander des chewing-gums ou bonbons acidulés. Hein. Le jour où les monstres descendront dans la rue, ce sera pour quémander leur révolte. Game over. Il y a des choses un peu moroses qui me répulsent. Quand je lis vos journaux mauvais, que je compulse toutes les pages de vos ouvrages, moi, j'ai la rage. Nous ne sommes pas des créatures à mettre en cage. Lorsque j'y songe, ce ne sont là que des mensonges, des racontars de rigolards qui là me rongent. Comment peut-on nous entourer de ridicules ? Nous ne sommes pas mangeurs de globes et de globules. Or is it perhaps a hysterical one like it has a slow start and then builds up? Or is it a full whole hearted laughter built by food? Mais le pire du pire, laissez-moi vous le dire, c'est la fête ridicule des morts et des vampires. Un carnaval raté qui s'appelle Halloween. Vous jouez à faire peur en dansant Dancing Queen. À bas les têtes de bêtes qui décorent les trottoirs. Les cornes de Satan, comme des gyrophares, clignotent
à la face de vos races humains. Je voulais le crier, mon rire vraiment ça craint. On ne s'amuse pas des damnés du trépas. Être une momie vivante n'est pas vraiment un choix. Freddy griffe dans la nuit les monstres et compagnie. Poignard en plastique, faussant, routi. Ce n'est pas une parade, c'est une mascarade. Je me sens indigné pour tous mes camarades. Et vous demande de jeter toutes vos padoulis, de brûler vos faunets et tout le reste aussi. Control, control yourself. Control yourself. Votre fête, si belle, n'est que fleur de poubelle. Et je les casse en masse, toutes vos idées nouvelles. Les bougies, les citrouilles, c'est un truc d'andouille de se flanquer la trouille. On ne joue pas aux morts pour quémander encore des bonbons. Gâteau et chocolat sans effort. Je veux, j'exige que s'arrête Halloween. C'est une farandole qui vexe et me chagrine. He's dead. What? What is it? He's a monster. Des lyriques et je conchis vos clashs. Je battle avec vous, écoutez bande de lâches. Je défendrai longtemps de ma plume de gangster. Mes idées de kicker, à capote des grammaires. Entendez mon message, mon hip-hop d'outre-ton. Je jette ma folie comme on balance les bons. Je ne suis pas rappeur à la petite semaine. Je suis Cacho des blocs, je fais ça mais Harlem.
Je ne suis pas rappeur à la petite semaine. Je suis gâteau des flops qui fait stammer à Harlem. Je ne suis pas rappeur à la petite semaine. Je suis gâteau des blocs qui fait stammer à Harlem. Halloween n'est vraiment pas une fête que nous apprécions. Je vous demande de bien vouloir la retirer de votre calendrier. Bah voyons, rien que ça. Il suffit, Farfadet. Il suffit. Mesdames. Mesdames et messieurs. Chers vivants, nous avons au château d'Hindelberg des personnes plus envoûtantes les unes que les autres. Prenez, par exemple, ces musiciens décédés. Ils sont arrivés ici en avril 1912 après le naufrage de leur bateau. Comme il n'est pas confortable pour un orchestre de passer l'éternité sous 3000 mètres d'eau et que les musiciens sont des êtres délicats. Ils sont venus ici pour vivre au sec. Ah, depuis, ils assurent les concerts au château. Pour l'anecdote, ces musiciens travaillaient pour la White Star Line et avaient pris place pour le voyage inaugural du fleuron de la flotte. Il s'agit bien évidemment de l'orchestre du Titanic. C'est quand même une belle formation musicale. Oui. C'est une chance de les avoir au château. Même si les musiciens sont ici à cause d'une tragique circonstance. Ça oui, tragique circonstance, ça ne peut pas laisser de glace. Le naufrage du Titanic. Il est intéressant de constater que ce drame reste gravé dans votre mémoire collective. Pourtant, des naufrages, il y en a eu. Je pense au Lusitania en 1915. La Mogo Cadiz, 1978. L'Estonia, 1994. Ou au Yellow Pearl, en 1756. Étrangement, c'est au Titanic auquel ils font référence. D'ailleurs, vos auteurs ont écrit quantité de livres sur le sujet des bandes dessinées. Et les studios les plus cotés ont produit des films et des téléfilms. Des mièvreries sans nom, où l'on voit de jeunes gens se livrer à des fantaisies sentimentales dans la soute du bateau, le tout édulcoré de quelques vocalises canadiennes ou québécoises. Diantre de foutaise. Oui. Alors oublions les productions de la Metro Mickey Pixar qui ont brouillé l'empreinte du réel, et revenons aux vrais événements. La nuit est épaisse et glaciale. Soudain, le veilleur de car aperçoit l'iceberg. Géant de glace contre géant des mers, ça va cogner. La glace éventre le bateau. On cherche à rejoindre les canaux de sauvetage. On court dans les coursives, cris d'affolement. Certains cherchent à emmener avec eux quelques effets personnels, à se raccrocher encore à un petit bout d'existence. Ça y est, ça a cogné. Et l'orchestre qui joue. Appel de détresse. Ordre étonné. Fab. Chute. Appel de détresse. Femmes et enfants d'abord. Et l'orchestre qui joue. Voix d'eau, bateau qui s'ouvre, chute. Bateau qui s'ouvre et la mer glacée qui entre comme une immense larme de mort. Et l'orchestre qui joue. Alors que le bateau sombre, l'orchestre joue et joue encore. Ils font des ploufs de ouf
des grands splashs et des beaux ploufs. Des ploufs de ouf. Bien sûr, les musiciens ne furent pas les seuls à sombrer. Passagers de première classe, à la flotte. Passagers de seconde classe, no water please. Eh bien si, in the water aussi. Passagers de troisième classe, grand bain de minuit. Vous ne respectez rien, Farfadé. Ce fut un naufrage épouvantable. Quelques 1500 succombés. Je me souviens de l'arrivée de certains au château. La coiffe mouillée, le bagage trempé. Je me souviens de l'arrivée de ces passagers irlandais. Ils quittaient l'Irlande pour une vie meilleure ailleurs. Et se sont retrouvés ici, à Heidelberg, bien loin de cette Amérique tant convoitée. Je pense bien souvent à eux et je dois bien avouer que je pense un peu. Parfois, pas souvent. Je pense à ces deux jeunes amoureux sur le pont du bateau. Hey, 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 thank you.
final, cette histoire n'est pas si mal. Peut-être pas tout à fait logique, pas tout à fait historique, mais un rien romantique. Vous savez, dans ma longue vie d'immortel, j'ai croisé des centaines de personnes, des vivants, des morts, artistes ou non. Mais pour les vivants, notre code d'honneur nous interdit d'avoir un sentiment pour un cœur qui bat. Ainsi, je vous vois et je ne ressens rien de particulier, ni affection, ni émotion. Non, vraiment, aucun sentiment pour un cœur qui bat. Pourtant, ça lui est arrivé vers les années 1800. Ça lui est arrivé, il est tombé en amour. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'était dans un petit matin d'hiver, j'attisais le feu dans la grande salle du château lorsque j'entendis une voix féminine à l'extérieur du château. C'était une toute jeune femme qui semblait s'être égarée. La pauvre enfant était frigorifiée. Je ne pouvais tout de même pas la laisser ainsi dans le froid. Alors je suis sorti. Je me suis approché. Bizarrement, la belle n'avait pas peur de moi. Je lui ai proposé de rentrer dans le château un instant pour se réchauffer. Je savais que je transgressais une règle fondamentale, mais j'étais animé par un sentiment que je ne connaissais pas. C'est l'amour ! L'amour, toujours ! Alors qu'elle buvait son thé devant la cheminée, je noyais mes yeux gris dans le noir profond de ses pupilles. Je regardais son teint qui rosissait à mesure qu'elle se réchauffait. Je me souviens que sans le vouloir, j'avais les lèvres qui dessinaient une forme particulière. Ça s'appelle un sourire bébête. Quand elle fut remise, je pris sa main, maintenant toute chaude, dans ma main toujours toute froide, et je l'ai reconduite sur le sentier. En guise de revoir, elle m'a dit « Je m'appelle Marie Shelley, je vous remercie. » Puis elle a déposé un baiser sur ma joue. Il est chamboulé. Depuis, il pense souvent à Marie Shelley. C'est drôle, hein, parce que quelques années après, elle m'a envoyé un livre, ce livre. Il y a son nom écrit dessus. Elle a écrit un livre qui fait encore référence aujourd'hui. J'ai la faiblesse de penser que son inspiration lui vint de sa visite au château. Marie Shelley. Marie Shelley, cherchez, si vous rentrez chez vous, vous comprendrez. Si vous rentrez chez vous. Si vous rentrez chez vous. Parfois le soir, quand mon travail me laisse un peu de temps, je m'installe devant la cheminée et je feuillette son livre. Thank you.
La mélancolie et l'amour ne sont pas que des sentiments réservés aux êtres vivants. Moi aussi. Je peux ressentir parfois les vibrations de l'âme. En parlant du mal de l'âme, on connaît quelqu'un ici qui se traîne un cafard. Puissance 10. Au lieu de faire peur, de foutre le troyomètre à zéro aux voyageurs imprudents. Monsieur Chouin. Monsieur se lamente. Monsieur Larmouille. Ne jugez pas, Farfadé. Ne jugez pas. Vous vous posez en juge suprême, moquant, raillant n'importe qui. Vous me faites honte. Mais parlons-en de ce pensionnaire. Vos livres le dépeignent comme une créature immonde. Bête le jour, homme la nuit. Homme le jour, bête la nuit. Un être surnaturel que vous appelez lycanthrope. Ou encore loup-garou. Notre loup-garou à nous marche d'un pas lent, entraînant des pieds. Ce n'est pas son cri qui arrache la nuit, mais c'est long. C'est très long, soupir. Il souffre de ce que vous appelez la mélancolie. Il souffre de mélancolie, car il n'est pas heureux dans cette peau de bête sanguinaire. Il n'aime pas l'hémoglobine. À cela, il préfère le sucre vanillé, la cassonade, les blancs en neige, ou autre Tu dis comment, toi? Nanan. Kunanan? Non, c'est pas Kunanan.
Quimian, quiam, quia, qui, quiam, qui, qui, quimia, quimian, qui, 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 pauvre loup-garou, englué dans sa tristesse qui le rend torturé et laid. En parlant de laideur, j'en connais un qui affiche une trombine à vous faire douter de Dame Nature. Chez lui, la symétrie, c'est juste une vague idée. Ou une idée vague. Assez de moqueries, farfadées. Vous évoquez sûrement Quasimodo ? Car oui, cher visiteur, Quasimodo n'est pas un personnage inventé par Victor Hugo. Belle, c'est un mot inventé qui ensorcelle. Belle, Esmeralda. Arrêtez, Farfadé, arrêtez. Quasimodo est bien réel et il est locataire dans le château. Mais il n'est que colère parce qu'Esmeralda n'existe pas dans sa vie et n'existera jamais. Il n'est que colère parce que les hommes, les vivants, se sont toujours moqués de lui. Parfois le soir, quand la nuit, le brouillard entoure de ses bras les murs du château, quand sa douleur est trop forte, il va s'enfermer dans l'ancienne chapelle. Il frappe sur les vieilles cloches, il malmène les vieilles orgues, il crie et injurie, il crie à cette vie. Une fois, après une de ses colères, on est allé le retrouver dans la chapelle. Il tenait sa grosse tête de potiron dans ses mains déformées. Il pleurait et pleurait encore. Il parlait de vous, les êtres vivants. Eh, c'est mon chapeau. Farfadé, rendez-moi... C'est ma cape. Rendez-moi mon chapeau. Farfadé, rendez-moi ma cape. Rendez-moi mon chapeau. Donnez-moi ça. Regardez le monstre que je suis. Vous me regardez avec vos yeux humains. Et vous me trouvez laid, hideux et monstrueux. Car oui, c'est vrai, je suis hideux et monstrueux. Je suis entre moisi et poussière. Je suis une bête puante, comme on dit, répugnante. Mais la bête que je suis n'a pas de violence. Je n'ai jamais levé la main sur un chien, ni tordu le cou d'un oiseau, ni chassé à plaisir. Je n'ai jamais voulu le mal à un enfant, et surtout, surtout, je ne sais pas faire la guerre. Je ne sais même pas à quoi ça sert, la guerre. Je ne sais pas me servir de vos fusils, ni d'un couteau, d'une arbalète ou d'un canon. Je ne sais pas la violence gratuite et anonyme. Je ne sais pas la violence et l'odeur du crime. Mon visage est jauni comme l'est un parchemin, et mes bras d'ouvrier sont tellement abîmés. Je suis laid, c'est vrai, loin de vos élégances, mais j'ai un cœur qui bat sur cette peau usée. J'aime et je respecte, je vous respecte aussi. J'aime mon frère le cyclope et puis les farfadés. Je respecte le majordome et les esprits également. Je me moque de l'apparence de celui que je vois. J'aime autant le château qu'autour les marécages, les chênes centenaires et les bosquets de ronces. J'aime la vie et si je le pouvais, j'aimerais l'amour. Oui, c'est ça, si je le pouvais, j'aimerais l'amour. Alors vous, être vivant, entendez mon propos. Dans ma carcasse pas belle, mon âme est magnifique. Mes sentiments sont beaux et mon esprit est superbe. J'ai des soleils géants et une chaleur humaine. Alors vous, être intelligent, comprenez mon propos. Dans ma caboche pas belle, mon âme est magnifique.
Pauvre Quasimodo. C'est étonnant, nous sommes si différents de vous et pourtant nos sentiments sont parfois tellement identiques. Comme si nous pouvions nous rapprocher de vous, ou c'est vous qui vous rapprochez de nous. Vous voyez, la vie d'éternel n'est pas chose aisée, mais c'est un privilège de vivre cette vie ou cette mort ici, à Heidelberg. Heidelberg est en quelque sorte une maison de repos éternel. Mais vous vous demandez certainement comment on peut arriver jusqu'à ce château. Oui. Comme oui. dans un de vos films fantastiques qui retrace, je crois, les aventures d'un jeune sorcier. Pour venir jusqu'ici, lorsqu'on n'est pas simple visiteur comme vous, il faut emprunter un train qui part toutes les nuits de pleine lune de la gare des mondes interdits. Bien sûr, ce n'est pas un train moderne avec tout le confort, mais il a l'avantage de partir et d'arriver à l'heure. La locomotive est une machine à vapeur, ancienne, mais qui fonctionne encore très bien. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Les passagers du train express à destination du château d'Heidelberg sont priés de monter en voiture. Les personnes accompagnant les éternels sont priées de descendre du train. Mesdames et messieurs, nous vous rappelons que pour être valables, vos certificats de décès doivent être compostés. Nous vous rappelons également que nous acceptons les cercueils en bagage à main. Notre train desservira la Tour de Londres, à Mithuille, le château d'Édimbourg et sera terminus au château d'Heidelberg. Attention à la fermeture des portes! Attention au départ! On entend se refermer les portes du train. Le préposé de quai donne un coup de sifflet. La cheminée de la locomotive rejette une épaisse fumée noire. Et de tous côtés, dans d'étranges sifflements, s'échappent des jets de vapeur blanche. Il règne à l'intérieur de la chaudière, une température d'enfer. Les pistons se mettent en action. Le conducteur donne des ordres à son second. Augmentez le débit d'eau à l'injecteur. Les roues grincent et commencent à se mouvoir. Lentement, le train se met en marche et sort de la gare des mondes interdits. Augmentez la cadence de pelletage. Le second charge le charbon dans le foyer. C'est une fournaise dans un écrin d'acier. Le train accélère alors. Petit coup de sifflet au passage pour saluer le garde-barrière. Le conducteur actionne quelques leviers et les roues impriment alors une cadence infernale. Les rivets se dissolvent, les tôles se gondolent. Mécanique, musique, une machine qui ressemble à un ogre se nourrissant de charbon et qui semble ne plus connaître de limites. On sent une odeur de fumée, d'huile et de graisse mélangée. La locomotive régurgite des escarbilles sur le bas-côté de la voie ferrée. De loin, on pourrait croire au bruit du tonnerre, mais ce son, c'est le rythme qu'imprime le convoi sur les rails. Bientôt le train traverse les régions à toute allure. Les monstres et éternels regardent des millions de paysages à travers les vitres du train. Et ce spectacle, mesdames et messieurs, ce spectacle vaut tous les trains fantômes de vos fêtes foraines. Imaginez une bande logicienne, un démon repenti, un décédé du jour ou un trépassé d'hier, avec le nez collé au carreau. Augmentez encore la cadence de pelletage. Aïe, aïe, aïe. Le train prend encore de la vitesse, les manomètres sont toujours rouges, la locomotive grince et craque, mais tiens bon, quelques corbeaux tentent une course contre la vieille locomotive, mais abandonnent bien vite.
ce n'est plus un train, mais une comète fumante qui s'en va dans la nuit. Mesdames et messieurs, notre train est arrivé à destination. Veuillez ne pas oublier votre linceul. Et objet funéraire en quittant votre place. La compagnie vous souhaite une belle mort. C'est maintenant que commence une autre facette de mon travail. J'accueille les nouveaux arrivants dans une sorte de pot de bienvenue ou de petite fête. Une fête, t'as réveillé un mort. Ah, avant de nous quitter, je tiens à vous informer que nous tenons à votre disposition des brochures sur le château d'Hindelberg. Oh, je sais que certains seront déçus de ne pas avoir visité vraiment le château, de ne pas avoir approché les monstres, mais nous ne sommes pas au zoo. On ne balance pas de la nourriture aux monstres comme on jette des cacahuètes aux chimpanzés. Ceux qui sont ici ont droit au respect et à la tolérance. Manifeste du droit au repos et à la différence. Même pas, petit, même pas. Juste un modeste pamphlet sur le silence et la tolérance. Écoutez, dans votre poitrine, votre cœur ne bat plus. Hein? Surprise ! Surprise ! Vous êtes des anciens vivants et des nouveaux décédés. Alors, mais posez vos valises, rangez vos costumes, nous préparons vos chambres. Alors je déclare ouvert le grand bal du château d'Hindelberg. Welcome, décédés, welcome, décédés.